Déconfinement, ben on l'attendait, cette nouvelle, ce calendrier, et c'est un mot que tout le monde espérait entendre un jour. C'est arrivé aujourd'hui. On y est. Il peut commencer, mais vous avez entendu à l'instant le premier ministre dire mollo. Dans quelques instants, le docteur Luc Boileau répond, le directeur national de la santé publique répond à mes questions. Mais écoutons encore une fois le premier ministre. Beaucoup de Québécois sont tannés des consignes. Ça fait 22 mois. Je comprends aussi qu'il y a beaucoup de Québécois que ça commence à affecter leur santé mentale. Donc, on a convenu avec la santé publique de vous annoncer aujourd'hui quelques petits assouplissements, mais l'idée, c'est d'y aller graduellement, prudemment, donc d'y aller tranquillement. Comme on dit en québécois, il faut y aller mollo. Donc, si vous aviez un mot à retenir aujourd'hui, c'est le mot mollo. Il faut y aller mollo. Je pense qu'on a bien compris, mais résumons ces mesures qui se déclinent en deux phases. D'abord, pour le lundi 31 janvier, ce sera l'ouverture des salles à manger, des restaurants à la moitié de leur capacité. Les rassemblements privés seront autorisés à 4 personnes. Ça peut être de 4 adresses différentes aux 2 bulles familiales. Si on inclut les enfants, ça peut être plus que 4, évidemment. Le nombre de visiteurs passera à 2 par jour en CHSLD. Il y a 4 dans les résidences privées pour aînés, les RPA. Les jeunes et les étudiants pourront reprendre les sports en milieu scolaire, l'entraînement. Une semaine plus tard, le 7 février, les salles de spectacle, les cinémas et les lieux de culte pourront rouvrir. Les gyms et les spas et le sport pour adultes devront attendre. Mon invité, le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau. Bonsoir, Dr Boileau. Bienvenue à 24/60. On est heureux de vous recevoir. Merci. Bonsoir, Mme Tissot. Alors, mollo, je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire. Le premier ministre a invoqué la santé mentale. N'eût été du risque de perdre l'adhésion, cette acceptabilité sociale, ou n'eût été de la grogne qui se fait sentir, est-ce qu'on aurait eu ce même calendrier aujourd'hui? Bien, je pense que oui, parce que les mesures que nous prenons de l'évolution de cette pandémie-là et de son impact sur le système de santé nous laissent clairement croire qu'on est dans une pente qui est descendante. Est-ce qu'elle est abruptement descendante? Non. Est-ce qu'elle est lentement descendante? Oui. Est-ce qu'on doit être prudent? Oui. C'est ce qui est fait en ce moment. Mais on avait besoin aussi de maintenir, comme vous le dites, l'adhésion de la communauté à toutes ces mesures, mais aussi on avait besoin de donner un rythme qui nous permet de revenir dans une disposition plus normale. Alors, c'est progressif, c'est certainement pas complété avec les annonces d'aujourd'hui. Mais c'est, comme le premier ministre le disait, graduel, ouais. Prudent, et on va y arriver. Oui, c'est parce qu'il y a eu le fameux choc du 30 décembre qui en a pris plusieurs par surprise. Et finalement, il y a eu la montée des cas d'Omicron. Et le fait que les gens ont en tête de dire, bon, on est 90% ou presque de vaccinés, on fait tout ça pour d'autres alors que les hospitalisations augmentent et que les décès sont encore élevés. Aujourd'hui, cette décision nous apporte quand même des chiffres. C'est qu'il y a très peu de différence dans le nombre de cas par rapport à la semaine dernière. Qu'est-ce qui fait la différence? Puis le délestage au niveau 4 est toujours en cours. Qu'est-ce qui a fait que, vraiment, on pouvait s'entendre sur ces mesures-là aujourd'hui? En fait, il y a moins de cas que la semaine dernière. Oui. On estime que la vague de cas, cas d'infection, a réellement baissé. Sinon, on n'aurait pas ces chiffres-là. On n'a pas vraiment des tests, quand même. On n'a pas vraiment de tests, vous le dites bien, mais en même temps, la courbe au niveau des hospitalisations, c'est incroyable. C'est parce qu'il y a eu moins de cas. Ouais. Et ces cas-là sont moindres depuis probablement autour du 6-7 janvier. En même temps, lorsqu'on regarde l'évolution des hospitalisations, on le sait qu'il y a encore beaucoup d'hospitalisations, mais il faut quand même savoir qu'il y a à peu près la moitié qui sont des hospitalisations pour la COVID. Il y en a l'autre moitié, c'est des hospitalisations par des gens qui viennent de la communauté et on leur apprend qu'il y a de la COVID ou ils développent la COVID pendant... Ouais. Oui, qui sont donc, comme vous le dites, avec la COVID. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a une pente qui descend et les données même de ce soir montrent que ça continue et c'est rassurant pour ça. Et en même temps, il y a une nouvelle arme qui est à notre portée. D'abord, il y en a une qui est là, qui est à notre portée solidement, c'est la vaccination. Et on encourage tout le monde qui a la chance de bénéficier de ça, d'aller se faire vacciner et en particulier les gens qui sont plus à risque, donc plus de 50 ans, plus de 60 ans. Ça, c'est un must, là, c'est un incontournable. Mais aussi, on a le Paxlovid qui est arrivé, qui n'est pas en grande quantité. Là, on a à peu près 1 500 doses par semaine,
Mais si on les utilise bien, ça pourrait nous aider à baisser les risques d'hospitalisation. Alors, armé de cela, on est capable de faire avancer la société en proposant des éléments qui vont faciliter la socialisation et d'autres choses comme vous les avez décrites. Parce que d'un côté, vous devez convaincre que la vaccination, c'est la clé, c'est la porte de sortie, hein, c'est la lumière au bout du tunnel, une expression. Et il y a encore des gens qui ne sont pas encore convaincus de ça. On verra la suite pour la vaccination. Parce que est-ce que vous trouvez que ça va trop lentement pour la dose de rappel, la troisième dose? On est à quoi, 76 %? Oui, bien, en fait, on est plus élevé que ça dans les groupes qui sont très à risque. On a rattrapé d'autres juridictions canadiennes, en particulier l'Ontario. Et ça va bien, mais ça va encore pas assez bien. Si on était capable d'atteindre ou de se rapprocher considérablement du 100 % pour les personnes, je dirais, de plus de 50 ans, tant mieux. Entre 50 et 60 ans, c'est à peine si on a 50 % ou à peu près, là. En haut de 60 ans, ça va mieux, mais il faut vraiment faire une poussée de ce côté-là et inviter les gens à suivre. Parce que, comme vous le dites, c'est la clé. Votre prudence semble dictée par aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, rien qu'en France, il y avait 500 000 nouveaux cas, 30 000 hospitalisations, plus de 3 000, ce qu'ils appellent eux, en réanimation, nos soins intensifs. On a souvent dit que ce qui se passait là-bas allait arriver ici. Est-ce que ce qui arrive là-bas en ce moment, vous, nouveau directeur par intérim de la santé publique, ça vous préoccupe et vous gardez ça à l'esprit? On garde ça parfaitement à l'esprit. On suit très bien ce qui se passe dans d'autres juridictions parce qu'on a la chance, nous, bien la chance, d'une certaine manière, d'être décalé d'à peu près une à trois semaines selon les endroits. Alors, mais on n'a pas la même situation. D'abord, on a une situation de système de soins qui est fragilisé. On n'a pas le même nombre de lits. On a tout ce dévouement qui est bien vivant, bien présent, mais en même temps, une fatigue qui nous amène à perdre des joueurs, des fois, et des infections qui font en sorte qu'on perd des employés. Il y en a plus de 10 000 là, qui ne sont pas au travail parce qu'ils ont été en contact ou qui malheureusement souffrent de la COVID. Et ça va revenir, ça, graduellement. Et ce qu'on regarde beaucoup, c'est la vaccination. Et ça, c'est majeur, la vaccination des groupes à risque. C'est ça le déterminant numéro un. Ça fait deux, trois fois qu'on se le dit, là, mais c'est le plus important. Dans les autres juridictions, ils n'ont pas été aussi forts que nous pour réduire la transmission. Les mesures qui ont été prises au Québec ont été très significatives, vous le savez, mais on donnait aussi des résultats importants. On s'est mis à descendre exactement à peu près une semaine et demie après. Et puis, ça nous permet aujourd'hui de réouvrir. Mais il faut continuer à être prudent. Je vais en venir avec le détail de certaines mesures aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais que vous me disiez, quand on nous dit si les mesures sanitaires marchaient, on le saurait, mais il y a tellement de cas que ça prouve que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous dites à ça? Non, il y a des cas, c'est bien évident. Il y a plus de cas que jamais. L'Omicron, c'est pas la même maladie. C'est un virus, vous avez eu d'autres invités dans les semaines récentes qui vous le disent, là, c'est un virus qui a une contagiosité, mais extrême, et qui donne moins d'effets sur la santé, mais qui donne quand même des effets très lourds et mortels pour un certain nombre, malheureusement. Alors ça, on se retrouve là-dedans. Il y a des gens qui décèdent. On n'a pas plus de décès ici au Québec qu'ailleurs. Il y a des comparaisons de chiffres, là, des fois, qui sont très malheureuses parce qu'on a un système de captation des décès bien plus généreux que ce qu'on trouve chez nos voisins, même en Ontario. Alors, on ne paye pas un prix exagéré par rapport aux autres. C'est que nous, ici, on n'a pas tout le système de soins, pas les compétences, là, mais les capacités, donc le nombre de lits pour absorber ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer avec prudence, miser sur la vaccination. Oui, le Paxlovid, bien sûr, mais la prudence pour ceux qui décideraient malheureusement, c'est toujours un peu compliqué à comprendre, mais malheureusement, de ne pas se faire vacciner. Eux autres, là, s'il vous plaît, restez prudents. Ce n'est pas le temps d'augmenter vos contacts. Restez prudents. Puis ceux qui pensent, en fin de semaine, dire « bon, mais on va inviter notre ami, nos voisins, nos parents, grands-parents », assurez-vous qu'ils sont vaccinés. Dose de rappel. Ouais. Des fois, ça fait des chicanes dans la famille. Docteur Boileau, je vais aborder de la cohérence de certaines mesures parce qu'à chaque fois qu'il y a des annonces, c'est ça qu'on soulève. Aujourd'hui, les restaurants vont ouvrir, mais les salles de spectacle, ça va être plus tard. Les gens se demandent comment ça se fait qu'on attend encore une semaine de plus quand on va dans une salle de spectacle, on est masqué, on est assis, on ne bouge pas. On va au restaurant, on enlève le masque. Alors, les gens s'interrogent là-dessus. Il y a l'association hôtelière aussi qui dit qu'elle a été laissée pour compte.
Il va y avoir... Les lieux de culte vont pouvoir reprendre, les salles de spectacle à 500 personnes, mais on interdit toujours les réunions, les congrès, les colloques. C'est un moteur économique très important. Elle est où, la cohérence? Parce que c'est ça que les gens se disent. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas mon milieu à moi, comme les spas? Et ils ont lancé un cri du cœur. Ils ne sont pas pires que les jeunes qui vont faire du sport. Ils respectent, enfin, les mesures. Et alors, la cohérence... Ça, plusieurs s'interrogent là-dessus. Bien, écoutez, d'abord, c'est une très bonne question. Et Mme Dussault, pour aider à comprendre, c'est ce qu'il faut, c'est de trouver un fil conducteur qui nous permet d'augmenter, qui nous permet, c'est pas ce qu'on souhaite, là, mais qui va visiblement augmenter les contacts, va augmenter le risque de transmission et va générer plus de cas, plus d'hospitalisation. Alors, ce fil-là, il faut choisir dans la gamme des mesures qui sont proposées celles qui peuvent bénéficier ou tirer un bénéfice collectif le plus rapide possible pour le plus de monde possible. Alors, de pouvoir se rencontrer chez soi avec des amis, de la famille, tout ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde. D'aller au resto, ça touche pas mal de monde. Pas tout le monde, mais ça touche du monde. D'aller dans les salles de spectacle et cinéma, ça touche une partie de la population, mais moins que pouvoir recevoir à la maison, voir des amis. Donc, il fallait se donner des mécanismes qui sont cohérents avec les dénominateurs les plus communs à tout le monde. Alors, avec ça en tête, je pense que la progression, elle s'explique. Elle est lente, vous avez raison, et progressive, mais elle est dosée de manière à ce qu'on puisse surveiller l'évolution de notre système de santé qui est très fragile encore. Vous le disiez en début d'entrevue, c'est très juste, ça s'améliore, mais... Gardons le cap sur une bonne vigilance de tout ça, puis profitons de ce qui est proposé, mais profitons-en sainement, c'est-à-dire, une fois de plus, excusez-moi, mais allez vous faire vacciner, c'est notre clé. Oui, en même temps, sur la question des congrès, des spas, etc., vous devez convaincre, votre communication doit expliquer justement pourquoi ces gens-là, qui ne sont pas des milieux d'éclosion, et je rattache à ça un article du Devoir de ce matin qui cite une étude allemande qui met sur le même pied restaurants et salles de spectacle, qui dit qu'il n'y a pas de surinfection dans tous ces lieux-là. Et nous, on fait la différence. On les classe différemment. Donc, ça nourrit cette grogne, peut-être, non? Vous soulevez un bon point, mais on les met sur un pied quasiment d'égalité, là. C'est-à-dire les restaurants et les salles de spectacle sont mis à une semaine de distance. C'est pas très grand. Ouais. On parle pas de bascule de 2 mois. Et on a commencé par ce qui était le plus accessible, le plus disponible pour tous. Et les salles de spectacle, vous avez raison, les salles de spectacle sont capables de tenir une grande rigueur sur l'hygiène collective et le fait de vraiment s'assurer que les gens ne soient pas trop en contact. Mais vous savez, quand vous allez dans un spectacle, vous n'allez pas là tout le temps pour socialiser, vous allez vous asseoir, vous profiter du spectacle, c'est très bien. Mais quand vous avez l'occasion de rencontrer la famille, des amis, du voisinage, chez vous, pas en grand nombre, je pense que c'est la meilleure chose qui peut se faire au point de départ. Donc, c'est logique, c'est correct, c'est calculé aussi comme risque. Mais en même temps, c'est un risque calculé, mais avec beaucoup d'incertitudes. Et c'est pour ça qu'il va falloir suivre comme il faut l'impact de tout ça sur le système de santé et les hospitalisations. Vous avez pris la parole... allez-y. Vous avez pris la parole aujourd'hui en point de presse pour dire que vous pourriez tenir des points de presse seul, indépendamment du premier ministre. C'était une façon pour vous peut-être d'affirmer votre indépendance. Puis il y en a qui souhaiteraient plus pour garantir votre indépendance. Et les perceptions sont toujours importantes. Il y a la commissaire à la santé, il y a le scientifique en chef. Ils aimeraient vraiment qu'il y ait une réforme de la fonction du directeur national de la santé publique pour garantir cette indépendance-là du politique, pour éviter de penser que vos décisions sont conditionnées par un agenda politique. Qu'est-ce que vous dites à ça? Bien, la première des choses, c'est que, regardez, là, moi, ça fait 2 semaines aujourd'hui que je suis en poste. Quand on m'a invité à faire ça, j'étais le PDG de l'INES, qui est un institut hautement scientifique du Québec, très indépendant, pas qu'il fait ce qu'il veut, là, mais qui est indépendant dans ses processus scientifiques et dans ses avis. Alors moi, j'arrive ici avec la même posture, là. Ça a été mis clair. D'ailleurs, on m'a demandé pour ça. On a dit, est-ce que vous pouvez ramener cet espace scientifique-là, crédible, à vous associer à tout l'espace scientifique disponible au Québec, mais pour amener un point de vue en toute indépendance? C'est comme ça que je l'ai entendu, c'est pour ça que je l'ai accepté, et c'est comme ça que ça se fait en ce moment. Alors, je n'ai pas l'intention de changer là-dessus. Maintenant, si d'autres prétendent, puis à juste titre, ils ont réfléchi,
de dire on veut changer la structure, bien, c'est quelque chose qui peut se passer après, là, mais en plein milieu d'une crise, de décider de dire on va changer des lois puis faire en sorte qu'ils soient élus par l'Assemblée nationale aux deux tiers, c'est sympathique, là, mais je ne pense pas que ça peut se passer dans une urgence. Donc, il faut juste mettre ça dans les bons wagons à bonne place dans le train. Bon, et le fait d'être intérimaire seulement, est-ce que ça nuit à cette indépendance-là? Moi, je vous dirais que ça probablement la solidifie. Parce que, sincèrement, je ne suis pas là. Je ne suis pas à un stade où est-ce que je veux faire une carrière là-dessus. Là, je connais bien tout ce domaine de la santé et de la santé publique. Je pense que j'ai fait ma carrière là-dedans. Puis ça fait, je pense que c'est pas loin de 30 ans. Ça ne me rajeunit pas là, que j'ai été nommé par tous les ministres un après l'autre. Donc, je ne suis pas politisé du tout. Et puis, je suis capable d'apporter la science au rendez-vous. Et ça se passe comme ça. Et je vous avoue, franchement, pour ceux qui s'interrogent, je pense que le ministre et le premier ministre, et en fait tous les joueurs au niveau central, avec tous les grands administrateurs, accueillent ça très bien. Et le fait de me permettre, parce que je l'ai demandé au début, j'ai dit, je pense que c'est une bonne idée que je puisse faire des points de presse pour vraiment expliquer comme il faut les différentes décisions qu'il y a. Et ça a été accepté, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, j'ai voulu avoir d'être imbibé pendant deux semaines. Je ne peux pas maîtriser tous les dossiers du jour au lendemain. Là, ça fait deux semaines. J'aimerais mieux deux ans, là. Mettons deux semaines. Ouais. Je pense qu'on va être confortable pour rencontrer les journalistes et les gens qui s'intéressent à poser des questions, souvent importantes pour bien comprendre. D'accord. Puis pour lancer encore plus le message, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais la vaccination, c'est important. Nous, on l'a dit beaucoup à cette émission d'interview. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. On vous interviewait dans vos autres fonctions, puis on est content de vous avoir reçu ce soir pour clarifier les décisions d'aujourd'hui. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Madame Dussault, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.